C'est une démarche volontariste de la Société des eaux de Marseille que de préserver la biodiversité à travers le volet apicole également. Et l'abeille joue un rôle très important dans notre écosystème. Et il faut savoir qu'il y a 30% des colonies d'abeilles chaque année qui disparaissent. Donc il nous a semblé tout à fait naturel de pouvoir utiliser les sites du service de l'eau, qui sont souvent dans des environnements très propices, pour installer des ruches et faire donc des partenariats avec les associations apicoles de notre territoire. Nous avons également, vous les avez vus ici, trois ruches connectées. On récupère juste les informations principales qui se trouvent au sein de la ruche, donc température, humidité, poids et le nombre d'entrées-sorties. Et avec ça, on arrive à savoir si l'abeille est en bonne santé ou pas. Cela permet, avec des associations apicoles, de produire du miel. Et aujourd'hui, le lien dans ce cercle vertueux, c'est de pouvoir faire un don au Resto du Cœur de cette production de miel. Nous, on a l'impression, entre guillemets, que ce n'est pas grand-chose, mais pour les personnes accueillies, croyez-moi, que recevoir un pot de miel, c'est énorme. Je ne m'y attendais pas, honnêtement. Je ne pensais pas que la SEM faisait ce genre d'action. Donc, on n'est pas l'intention de juste distribuer ces pots de miel. On va leur expliquer d'où ça vient, comment on en est arrivé là, pour faire vraiment comprendre aux personnes accueillies qu'il y a tout un processus derrière tout ça, il y a toute une chaîne de solidarité derrière tout ça, et c'est important. Bon, c'est important d'avoir le pot de miel, mais c'est important aussi pour eux de savoir qu'il y a des gens qui pensent à eux.